Le concours général a délivré ce jeudi ses résultats. Face au journaliste Serigne Beytiam, le ministre de l'Éducation nationale révèle le meilleur élève de cette édition 2017. Meilleur élève des classes de première et en même temps, il est meilleur élève du concours général. Ça veut dire classe de première et de terminale réunies. Sami Davis, Yann Obanja, série L2, il a totalisé 12 points. Il est élève au Britannique militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis. Encore une fois, le nombre de lauréats et de distinctions sont en hausse. Ils sont 1473 candidats et en terminale 1252 candidats. Nombre de lauréats 137, dont 65 filles et 72 garçons. Nombre de distinctions décernées, 148. Le lycée Limam Oulaye se détache du lot et arrive en tête avec 21 distinctions et 53,25 points. Pour le cumul enseignement général et technique, premier, lycée Seydina Limam Oulaye de Guédiawaye avec 21 distinctions qui valent 53,25 points. Le bilan n'est pas totalement satisfaisant puisqu'il n'y a pas de prix en philosophie pour cette année. Néanmoins, il est à noter qu'il n'y a pas eu de distinction en philosophie et en citoyenneté et droits de l'homme pour les classes de terminale. Cela est dû certainement au manque de préparation des candidats et candidates à la date précoce de leur sélection. La cérémonie de remise des prix est prévue au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, SICAD, le 20 juillet prochain, avec comme marraine l'écrivain Aminata Sow Fall.